Et yep les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo donc pour pouvoir vous montrer le tout nouveau DLC Bourreau des Cœurs, donc le DLC de Saint-Valentin qui vient de sortir ce matin. Donc vous n'aurez pas de mise à jour à télécharger, il sera directement dans le jeu. Donc on va commencer directement avec la Albanie Roosevelt. Donc la Albanie Roosevelt Valor. Donc déjà je fais à 750 000, je l'avais déjà faite. Donc du coup, il y a un moment dans la vidéo, je vais vous mettre un passage où vous la verrez. Donc voilà, customisé et tout ça. Et donc... voilà, franchement la valeur vaut le coup. Bon, je trouve qu'elle est assez excessive comme prix pour ce que c'est, mais elle vaut le coup. Donc là je viens de l'acheter. Donc comme vous pouvez voir, donc moi on va se retrouver directement avec la Roosevelt. Donc la Roosevelt à 750 000. Et donc là on se retrouve donc avec la Roosevelt à 750 000 dollars. Donc customiser ça, ce que j'ai déjà customisé il y a 2 ans. Donc vous pouvez voir déjà qu'elle est vraiment assez belle. Donc je vous montre aussi un peu l'intérieur. Donc voilà. Donc franchement vous avez pu voir déjà que j'ai plus beaucoup d'argent après avoir acheté la Valor. Donc ouais, c'est pas grave, j'aurai assez pour la customiser. Donc l'intérieur il est pareil que la Valor, vous verrez ça par la suite à ce moment dans la vidéo. Donc elle a un beau bruit, elle est assez bien. De toute façon vous entendrez le bruit. Donc voilà, c'est tout pour la Roosevelt. Donc on va directement passer. On va passer à la customisation de la Valor. Oh là, excuse-moi, j'ai eu un petit bug sur le nom. Donc voilà, donc là vous pouvez voir déjà la Valor en extérieur. Donc je viens juste de l'acheter. Donc là je l'ai pas encore customisé. Hein. Donc l'intérieur, vous pouvez voir déjà que c'est le même. Donc des gens disaient qu'on pourrait l'acheter, qu'on pourrait la customiser chez Benny, mais on peut pas. Je tiens à le préciser pour ceux qui disaient cool, on va pas la customiser chez Benny, mais non. Donc le blindage, j'en ai pas mis. Frein, j'en ai pas mis, donc ça, j'en ai mis pour la suite, mais pas en hors vidéo. Donc pare-choc, j'ai pris pare-choc élégant chromé à 7 400 $. Donc moi, je l'ai mis vraiment tout au max, sauf niveau moteur et tout ça. Pare-choc élégant chromé, j'ai mis aussi pour l'arrière, comme ça va ensemble. Donc là, on a vraiment un choix immense, comme vous pouvez voir. Elle, donc en elle, je l'ai mis au max. Aération latérale de capot, je l'ai mis au max. Détail avant, phare et klaxon chromé à 1 980 $. Donc voilà, j'ai mis le tout d'un coup, hein, comme ça, clac, ça plus vite. Roue de secours latérale, roue de secours couverte, j'ai mis à 6 290 $. Les améliorations sont pas chères. Bon, par contre, niveau moteur, transmission, tout ça, c'est toujours aussi cher. Turbo, pareil. Bouchon de radiateur, j'ai mis bouchon de radiateur ailé, donc à 1 500 $. Grille de phare, j'ai mis grille de phare alarme, alarme. Voilà. Donc je vais vous passer les améliorations en accéléré. Donc ça ira un petit peu plus vite pour vous. Et donc voilà, donc là on a fini avec la customisation. Donc on va passer directement aux vêtements du DLC. Donc voilà, donc déjà on peut voir... oui mais j'ai fait un fuck. Hein. Voilà, c'est pas très grave pour ça. Donc on va aller directement dans les tenues. Donc les tenues sont assez chères par contre. Donc tenue Saint-Valentin élégante, Amor 19 000 $, séducteur 18 000, Roméo 20 000 $. Donc là c'est assez cher, je vous ai montré donc les plus chers. Léopard 10 000, franchement le plus cher c'est 22 000 $ détendu, léopard romantique, courageux, détendu, beau gosse et macho à 21 835 $. Donc ça coûte vraiment assez cher. Donc moi j'ai pris le Roméo à 20 000 $. Ça j'ai trouvé assez bien. On va passer directement au pantalon. On va dans les shorts. Donc casson lilas écossais, des choses comme ça. Vous aurez ça. Donc moi c'est que je suis allé un petit peu vite dans la vidéo. Ah oui, non, excuse-moi. C'est qu'en fait j'ai enlevé le haut. Car en fait ça empêchait de voir le caleçon. Donc ouais, donc léopard, clair à rayures, blanc à cœur, des trucs comme ça. Donc ce qu'on avait aussi l'année dernière avec le caleçon rouge avec des cœurs noirs. Voilà. Pantalon de costume, donc on peut voir déjà ce qu'il y a. Donc bon, il y a des choix. Après, c'est pas ce que je mettrais tout le temps dans GTA personnellement. Voilà. Ensuite, on passe directement au haut. Donc pour les hauts, veste de costume, double boutonnière, le roi, double boutonnière. Mais bon, je vais arrêter de dire ce que ça c'est chaud à dire. Donc j'ai la voix cassée, donc voilà, donc déjà vous pouvez le voir. Hein. Les prix sont pas excessives en fait pour les vestes de costume.
Donc, en fait, c'est la tenue en elle-même qui coûte assez cher. Faut voir si en fait, en achetant les tenues séparément, ça coûte pas moins cher. Donc, voilà, donc là, on a des gilets aussi dans la mise à jour. Donc, niveau vêtements, on en a eu. Hein, donc, ça, c'est cool qu'ils nous en ont remis. Chemise de bourreau. Donc, j'ai voulu mettre un gilet pour voir si ça marchait, mais non. Donc, du coup, bah, on pourrait pas voir les chemises, malheureusement. De bureau. Donc, voilà. Désolé. Donc, on va passer directement aux chaussures. On va aller dans les chaussures chic. Et là, vous allez voir qu'il y aura énormément de chaussures Richelieu. Pointe bleu roi, des. En fait, c'est tous des pointes avec enfin, des couleurs, plusieurs couleurs. Donc, ça, c'est cool. Il manque un peu de chaussures. Donc, bon, plus c'est des chaussures chic. Donc, c'est encore plus. C'est encore mieux. Donc, on va passer directement. Donc, je vais les voir dans les cravates. Mais en fait, dans les cravates, vous en aurez quelques-uns. Pas mal. Donc, il y aura aussi des papillons. Donc, là, qui ont été rajoutés dans la mise à jour. Niveau lunettes, il n'y en a pas d'autres. Après, on dirait. Donc, là, on va aller dans les chapeaux. Feutre classique. Donc, là, vous pouvez remarquer énormément de nouveaux chapeaux. C'est cool, ça, franchement, c'est vraiment bien. Donc, ça fait plaisir d'avoir des nouveaux chapeaux. Donc là, donc, je vais vous laisser sur la fin des vêtements et on va passer directement au masque. Et donc voilà, donc là, on va se retrouver directement au masque. Donc franchement, niveau masque, ils ont mis les anciens de il y a 2 ans, excusez-moi. Donc vous allez aller à la fin Saint-Valentin. Donc vous aurez le chérubin, le bal masqué noir et or, bal masqué argent, bal masqué bronze, loup noir, loup rouge, loup blanc. Voilà. Donc les anciens, ils sont pas très chers, à part le chérubin. 15 000. Donc ouais, donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que c'était vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Allez, je vous dis peace et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.